vous retrouver aujourd'hui pour un haul en tout genre et des unboxings. Donc sans plus attendre, on va commencer maintenant. Je suis passée chez Nose et j'ai récupéré encore des bijoux de la même marque que la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets là mon dernier haul Nose où j'ai trouvé plein de bijoux. Donc il y avait encore un arrivage de cette marque. Cette marque c'est But to Wolf. Donc là on a un collier. Voilà. En argent. Perle blanche. Et donc moi j'aime beaucoup cette marque là. Hein. C'est dans les 15-20 euros pièce hein, quand on regarde sur internet. Donc ça je suis ravie. Donc. De la même marque, il y avait un petit charm. Alors, j'ai pas dit le prix, c'est tout à voilà, 0,99. Je vais vous le montrer. Il n'y avait pas de haut, mais par contre, il y avait un K. Et ils sont vraiment qualitatifs. Donc, voilà le petit K à accrocher avec le... Il y a la marque dessus aussi, à accrocher à un bracelet. Comme ça, par exemple. K, c'est pas mal à être, mais je connais quelqu'un qui a un K, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait un arrivage de chez Kiko. Du coup, j'ai récupéré, il y avait tout un kit d'ombre à paupières, les doubles. Et celle-ci, donc 0,99, celle-ci se dépote toute seule. Il y a un petit trou ici, vous passez une aiguille et vous les dépotez. Donc, j'ai pris un dans les tons violets. D'ailleurs, si vous ne savez pas dépoter vos fards pour faire vos palettes, n'hésitez pas, je vous mets, j'ai une vidéo où je vous explique un petit peu une technique. J'en ai pris un dans les tons un peu, il y en a un qui est un peu prune, hein, je dirais, et l'autre un peu gris. Donc voilà, tout ce dernier, c'est un marron et un espèce de vert d'eau bleu turquoise. Ensuite, il y avait les fameux blushs, donc moi j'en ai déjà et j'aime beaucoup les blushs Kiko. Et il se trouve que le numéro 2, je ne l'avais pas. Donc, c'est les blushs que j'ai failli faire tomber. Donc, c'est les comme ça, hein, les classiques. 1,49€. Hein, comment te dire? On a des couleurs un peu couleur peau, quoi. Un peu bronzer. Vous voyez, ça vient juste rehausser la joue. Ça, j'adore. Hein, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur mes coups de cœur bronzer, c'est un peu ces couleurs-là que j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait des petites palettes comme ceci, donc à 2,99€, c'est des blush and bronzer palette. C'est la numéro 1, ça je ne vais pas le garder, ça part en concours. Je vous montre juste l'intérieur, le concours va bientôt arriver. Hein. Donc voilà, vous avez un miroir ici et le bronzer et le blush rose. Donc ça c'est la teinte numéro 1. Pour finir chez Nose, j'ai trouvé également de la marque Etam, c'est ça? Ouais. Donc à 1,50€, Push Up Yog Beauty. Donc c'est des liquid mat qu'on trouve chez Beauté Privée d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci qui est le numéro 17. Ça sent bon. Ensuite, j'ai réalisé une commande chez Sephora. Il y avait en réduction, il y avait beaucoup de réductions sur les soins. Donc là, on a de chez Dr. Weilbrook Bondi. Alors, c'est une brume hydratante visage. Formulée sans produits nocifs, ni parabènes, ni sulfates, ni phtalates, ni silicone, ni produits chimiques nocifs, ni additifs, sans cruauté, vegan. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Et là ils sont en train de dire qu'on peut l'utiliser également en base de maquillage. Donc c'est à base de prune. Donc c'est très riche en vitamine C, 50 fois plus qu'une orange. D'aloe vera, du concombre, de la vitamine B3 pour un teint à lait frais. Vaporisé généreusement en base de maquillage ou pour rafraîchir ou en besoin d'hydratation. Donc... Ensuite, je me suis pris la base de chez Milk, dont on a beaucoup entendu parler. J'avais testé la toute première qui était sortie, la Blur ou je sais plus quoi, elle était inexistante.
Là, c'est une hydrogripte et c'est censé être une hydratante qui va agripper, donc hydrater ma peau, ça c'est sûr, mais surtout elle va agripper le fond de teint, donc pour le faire tenir plus longtemps, j'imagine. Le packaging est pas mal, c'est plutôt sympa, donc à tester. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vais faire un test de beaucoup de choses, hein, donc n'hésitez pas à mettre les notifications pour me suivre. Ensuite, je me suis pris le spray de finition fixation de chez Tarte. Étant donné qu'il est en format voyage, que j'aime bien faire des tests, les formats voyage, c'est assez bien pour ça. Donc le voici. Donc à tester. Enfin, ce qui était un peu l'objet de ma commande, je me suis pris le concealer, je dis pas le dernier parce qu'il n'y en a pas d'autre, le concealer de chez Zoeva, l'Authentic Skin Perfector anti-cerne retouche. Moi je l'ai pris en teinte 100 et j'ai peur, mais bon. Voilà à quoi ça ressemble et ça a l'air quand même assez clair. Non, ça va le faire. Je mets là. Ah non, parfait. Donc il est un peu jaune. Alors est-ce que je l'ai fait exprès ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Bon. À tester dans la prochaine vidéo. Je pense que je testerai ça. Au niveau des produits qui étaient offerts du coup. Donc on avait un super hydratant jour, hydrate éclat de chez Sephora. On avait de chez Filorga une crème absolue correction grids, Time Filler. Un petit échantillon de la bébé crème de chez Herborian, là, qu'elle sait. Voilà. Chez Clarins, un baume hydratant tonique aux huiles essentielles. C'est pour le corps, donc pourquoi pas. De chez Fresh, alors ça, est-ce que je vais être contente? Qu'est-ce que c'est ce tout petit truc de chez Fresh? Un Fresh Lotus Young Youth, pardon, préserve. Donc c'est pour préserver ma jeunesse, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une petite crème, il y a écrit multi-usage. J'aime pas trop les multi-usages, autant ça veut dire que tu sers à rien. Mais regardez, mais il me semble que Fresh, la compo est pas si mal. Et pour finir, il y avait une petite rousse comme ça de chez Estée Lauder. Il y a des trucs dedans, parce que si on m'avait mis juste la trousse. Donc, on a un baume global anti-âge. Bon, voilà, un baume global anti-âge toute peau. Et une crème globale anti-âge. Bon, alors c'est quoi la différence? Il y a écrit pareil, sauf qu'on passe de baume. Donc voilà, c'est de la gamme Revitalizing Supreme Plus. Voilà, donc celles qui veulent tester voilà, du Estée Lauder en soin, c'est quand même assez génial. Moi, ça part chez ma mère, ça. Hein. Et pour finir, et alors là, que fut ma surprise? Donc on a, alors, c'est pas un minime, c'est pas un grand format, mais quand même, on est, alors c'est un pur envie, puisque j'en ai un pur envie. Donc le format est quand même pas le même. Je vais regarder la contenance, j'en sais rien. Donc là, moi j'avais le 260 et là c'est le 420 Rebellious Rose. Le rose qui se rebelle. Et alors ça, je suis ravie parce que j'aime beaucoup. Alors déjà, il sent super bon. Regardez le format, franchement, ça va. Hein, c'est à mon avis plus le rouge à lèvres, effectivement. Il est un tout petit peu plus moins gros, mais franchement. Ouais, il est un peu plus petit, mais franchement, pas mal du tout. Je suis ravie. Et là, je fais un swatch. Et alors, c'est ça que j'aime dans les rouges à lèvres Estée Lauder, cette gamme-là, la Pure Color. C'est qu'on est sur quelque chose de lumineux. Après, la couleur en elle-même, spontanément, je n'irais pas l'acheter. Mais franchement, ça fait un petit peu lèvres pincées. À mon avis, ça peut être très sympa sur un truc frais, là, pour l'été. Franchement, je suis ravie, ce petit rouge à lèvres, là. J'ai reçu ce matin, j'évite de vous montrer, ma commande de chez Beauty Bay. Que j'ai acheté. Donc je l'ouvre. Alors
c'est parti. Alors, je me suis pris de chez Biatch Cosmetics. J'avais envie de tester pour les sourcils des trios de poudre. Enfin, des trios, non. De la poudre pour les sourcils. Et du coup, chez Biatch Cosmetics, ils en faisaient. Et en plus de ça, il y a également... Donc, vous avez trois poudres. Normalement, c'est pour médium. Ouais, médium, intermédiaire. Et surtout, vous en avez un qui est crémeux. Ce qui fait que si vraiment ça ne me convient pas, j'ai toujours celui qui est crémeux. Et ça, ça coûtait pas très cher. Hein. Alors, je ne suis pas contente. Je ne sais pas ce qui a coulé. Mais ici, j'ai du fond de teint. Sachant que j'ai acheté un fond de teint, ça me fait un peu chier. Donc de chez Zoeva. Donc oui, je me suis pris le fond de teint. Là, et je vois du fond de teint là-dessus. Ça n'a pas l'air d'avoir touché pour autant. Bon, bref, on va l'ouvrir pour voir. J'ai pris la teinte 110 créative. Et c'est là où j'ai peur. Le packaging est vraiment très joli. Hein, c'est très qualitatif. Il y avait une promotion, en fait, sur Beauty Bay, sur plusieurs fonds de teint. Et c'était que des teintes qui, à mon avis, me convenaient. Donc, voilà le fond de teint. Et ma foi, moi je vois pas de coulure. Donc ça a l'air d'aller. Ok, la couleur est pas mal du tout. Je pense que ça va bien le faire. Alléluia! Donc à tester d'urgence. Ensuite, je me suis pris de chez OPB. Donc c'est un liquid lipstick crème et c'est un métallique. Ça a l'air assez léger, mais bon, on peut en mettre deux couches. Hein. Très joli, je suis ravie, une couleur un peu prune. C'est très beau, ça va rejoindre ma collection. C'est vraiment mes préférés, en fait, les métalliques mat, c'est-à-dire qui sèchent, ben, comme celui que je porte de chez Nabla, là. Parce qu'en fait, j'aime pas trop les glosses. Et là, ça fait un bon intermédiaire. C'est lumineux, mais c'est sec. Donc ça, c'est cool. De chez Linda Alberg, je me suis enfin pris le Power Pouf. Le Power de la Pouf pour les poufs. Donc c'est une petite houppette. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est plus simple de faire, voilà, genre là, ici, là, voilà. Elle coûtait pas si cher que ça. Enfin si, un peu quand même, c'est plus de 10 euros, hein, ça doit être 12 euros peut-être, un truc comme ça. Mais j'avais vraiment envie de la tester, donc je suis ravie. De chez Art Deco, on a un packaging qui est juste magnifique. Donc c'est un bronzing blush. C'est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. La vache. Il est magnifique. Donc il y a 10 grammes de produit. C'est un blush tricolore. Il est sublime. Regardez-moi ce truc, quoi, cette couleur. Alors ça, si c'est pas girly, j'adore. Le packaging est somptueux. Le miroir est géant. Et là, donc, on a un triple blush, vraiment dans des couleurs que j'adore. Qu'est-ce que j'ai hâte de tester. Mais quelle merveille, quel bijou ce blush. Bah, je suis bluffée. Je me suis pris deux pinceaux, donc deux pinceaux de la marque Beauty Bay, je crois, c'est même pas écrit. Donc voilà, celui-là, il a un peu le poil qui part en cacahuète, mais c'est pas très grave. Donc là, en fait, on a un pinceau un peu précis ici, là. Donc ça va être cool pour faire un creux de paupière précis, ou même le ras de cils, ou pour flouter, enfin bref, vous faites ce que vous voulez avec. Et là, un blender, tout simplement, quoi, un blender estompeur. Écoutez, ils sont plutôt jolis à tester, mais je suis pas très inquiète. Rapidement, je suis passée chez Action et j'ai pris ce rouge à lèvres de chez Rimmel. C'est le numéro 700 Naughty Nude. Putain, ils sont super bons, ils sont le fruit. La couleur est pas mal du tout, franchement, contente. J'ai également pris trois coffrets, là, vous savez, de rangement. Je vous incruste une petite vidéo pour ranger mes bijoux parce que c'était le bazar. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux où je vous partage beaucoup plus de choses.
Donc rejoignez-moi sur Instagram. Donc voilà, j'ai rangé tous mes bijoux. C'est enfin, ils ont ressorti sans les rangements à l'intérieur, les éponges, les petits ciseaux, les machins, les trucs. On en avait marre. Donc là, ça fait baisser le prix, donc c'est cool. Ensuite, je suis allée dans un magasin qui est spécialisé pour les professionnels, notamment des couleurs, des ongles, enfin des coiffeurs quoi. Donc le magasin s'appelle Color Beauté. J'ai pris du dissolvant pour vernis semi-permanent. Donc voilà, ça coûtait assez cher, mais bon, t'es quand même content quand t'en as. J'ai trouvé les fameux parfums, la Solinote. Je sais qu'ils sont sur Beauté Privée, mais là, il était en face de moi. Le jasmin, je rêvais de l'avoir, je ne l'avais pas senti. C'est une tuerie, je suis mais trop heureuse. Voilà comment ça se présente. J'adore. Ah, j'adore. Il est, mais... C'est sublime, c'est somptueux, j'allais dire. Donc ensuite, je me suis pris du make-up de la marque Pégissage. Donc j'ai pris un liner waterproof, donc à tester. Je ne connais pas du tout, je vous en ferai un retour très rapidement. J'ai pris également un crayon, ah, c'est pas ouvert, mais bon, on n'a pas trop le temps, un kohl vert. Donc, j'ai trouvé un crayon contour des lèvres, je vais l'ouvrir. Et celui-ci, il est cuivré. Il perd ses... Il casse sa mine toutes les deux secondes. Ça va être super, mais bon. Donc, c'est pas mal parce que d'habitude, les contours sont plutôt mat. J'ai pris un rouge à lèvres donc, qui s'appelle le Shiny Lip, ultra brillant. J'ai pris la teinte Copper Shine en 06. Ça se présente comme ceci. Donc tout noir avec Pégissage décrit. Et je trouvais que le crayon allait bien aller avec, et c'est le cas. Donc c'est très lumineux, donc c'est très joli. Franchement, un espèce de marronné orangé. Voilà, à voir ce que ça donne et la tenue. Pour terminer dans cette boutique, il y avait une offre avec... Hop ! Voilà, des petits masques L'Oréal. Donc c'était 8 euros les deux. Donc ils sont pas très gros, ils sont 75 ml de chaque. Mais en temps normal, ça coûte très cher. Donc là, moins 50. Donc voilà, c'est fini. Terminé, j'ai gagné un concours sur la chaîne de Camille. Je vous mets les infos là concernant. Donc Camille, j'ai découvert il y a très peu de temps. C'est grâce à Mathilde Maïva. Donc merci Mathilde, qui avait fait un share de love. Et c'est vrai que j'aime bien ce qu'elle fait et disons que les produits qu'elle présente m'intéressent. Donc forcément, ça crée... voilà. Et le hasard a fait que j'ai participé sans vraiment m'en rendre compte à son concours. Fallait laisser un commentaire et liker, chose que j'avais faite. J'étais abonnée également. Et du coup, elle a fait 3 lots. Donc je sais ce qu'il y avait comme produit en gros. Mais je ne sais pas ce qu'elle a mis dans mon lot vu qu'elle en a fait 3. Donc je découvre en même temps que vous... Donc déjà, elle a tout mis dans une boîte Chanel. J'ai jamais eu de boîte Chanel, moi. Je trouve ça trop chic. Donc je vais la garder, je vais peut-être la mettre en déco, je ne sais pas trop. Mais déjà, rien que la boîte, c'est cool. Donc on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Donc ça commence bien, sachant que tous les produits qu'elle a mis sont neufs. Si elle a fait un tri make-up, je vous invite à aller voir. Et... Donc ok, donc Natural Radiance, donc c'est une base lumière, ah ouais putain, trop bien, donc alors ça je suis ravie quoi, la base neuve MAC quoi, merci. Et vous avez la preuve que c'est neuf, hein, parce qu'il faut que je pompe avant d'avoir quoi que ce soit. Pas que j'en doutais, mais il y a toujours... Alors c'est blanc, blanc rosé, ça sent presque rien. Franchement, j'ai hâte de tester. Truc... Oh la vache, je viens de voir le Born This Way en full size, s'il te plaît, quoi. Alors, je connais pas ma teinte. Hein. Donc là, c'est une teinte porcelaine.
Le truc de fou, quoi. Bon, alors, je l'ai testé une fois, mais il faut que je reteste. Ah! Et la teinte, en la voyant comme ça, c'est bon, quoi. C'est bon! Ça, c'est... Oh la vache, je vois des trucs dedans, laisse tomber, quoi. Donc, putain, je suis trop contente, quoi. Parce que même si je m'en sers pas en anti-cerne, j'en ai besoin pour faire du camouflage. Et ça, c'est excellent pour faire du camouflage. Et je l'ai pas, je l'ai jamais eu. Je me suis acheté le mini Tarte il y a pas longtemps pour faire du camouflage. Il est pas mal, franchement, je suis plutôt satisfaite. Il tient bien sur mes cernes. Donc là, j'ai hâte de retester et de faire trop bien. Donc là, elle m'a mis le Fit Me de chez Maybelline, qui est son concealer préféré, je crois. Et c'est quoi la teinte? La teinte, c'est la teinte numéro 2. Et ma foi, ça a l'air pas mal du tout au niveau de la teinte. Je suis étonnée parce que généralement... De chez Huda Beauty, un liquid matte, le Trendsetter, un genre de corail. Ouais, corail. Pour l'été, franchement, ça va être chouette, ça. Ça, c'est génial. De chez Galénic. Alors, je connais pas bien Galénic. Enfin, je connais la marque, mais je sais pas si au niveau de la compo... si jamais la compo me convient pas, bon, je pense que Camille se vexera pas, déjà. Et ce qui fait que je vous le remettrai dans le prochain concours qui arrive. Je vous le mettrai dans le concours. C'est un masque... Ah, j'espère que... Je vais quand même étudier le truc, parce qu'un masque confort extrême à l'huile d'argan, moi, ça m'intéresse quand même beaucoup. De chez Beauty Glaze. Je connais la marque, mais j'ai rien du tout. Un rouge à lèvres qui s'appelle Kissing Matte Liquide. C'est la couleur Cococa. Il est assez petit, il est assez mignon. Je trouve le packaging plutôt mignon, ouais. Et ah bah alors ça, c'est des couleurs que j'adore. Donc c'est un espèce de mauve. Et ça, c'est... voilà, ça ressemble un peu à mon Sephora de base, qui est le numéro 37, que je mets à tous les râteliers quand je sais pas quoi mettre. Parfait. De chez NYX, eh ben, des fossiles. Alors moi, je suis pas la reine des fossiles, elle non plus, je crois d'ailleurs. Mais franchement, ouais, alors il n'y a pas la colle, mais il m'en reste deux d'autres. Ils ont l'air sympas. Après, je suis pas... je suis pas une grosse consommatrice, mais c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool. De chez Huda Beauty encore, le Gossip Curl. Donc ouais, là on est entre le mauve et le fuchsia, entre le violet et le fuchsia. Très joli également pour l'été. Ça, c'est vraiment c'est une belle couleur. Franchement, j'adore à tester. De chez Chanel, une crème pour les mains. Donc ça, je vais donner à ma mère, elle sera ravie. De chez Wet n Wild, Wet n Wild, un rouge à lèvres liquide matte métallisé qui a l'air juste magnifique. Oh la couleur, quoi. C'est entre le rouge, le violet. Ah, je sais pas trop comment dire, mais je pense que ça va être canon. Pareil, je pense mettre plutôt deux couches. Oh, ça va être sublime. L'objet est magnifique, j'aime beaucoup. Je suis ravie à tester. De chez Adopt, donc j'ai jamais rien testé de chez Adopt. Alors, un longue tenue mate, celui-ci, la couleur est bien. C'est un nude, ouais, un nude un peu, bah, y a un peu de pêche dedans. Très joli, à tester également. Un mascara volume de chez Chanel, donc à tester également. Je le connais pas, enfin, je crois pas. Le petit pinceau à fond de teint de chez Chanel. Donc ça, c'est cool puisque j'ai pris en échantillon le fameux voile de teint dont elle parle. Je sais plus comment il s'appelle, les nudes, les... je sais plus comment elle dit. Et il y a à chaque fois qu'elle l'achète, il y a ça avec. Donc à tester, je suis ravie, petit pinceau là. On a deux rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Le coton candy.
Ouais, bah alors là, franchement, je sais pas si je mettrais. Hein. Alors que ça se trouve, ça m'irait super bien. Ces deux couleurs. Ça, je mets moins quand même. Hein. Mais c'est beau. Et alors, par contre, la palette, tu vas râler, mais il y a deux fards qui se sont pété la gueule. Donc, je n'ai pas celle-là en plus. Hein. J'en ai une de chez. Et bizarrement, j'ai un fard aussi de la fameuse palette qui s'était pété la gueule. Bon, j'ai essayé de la récraser dedans. Voilà, j'ai un peu nettoyé. Une belle harmonie. C'est très joli. À tester. Celle-là, je la connais pas. Donc, je suis ravie. Merci Camille. Merci à la chance aussi. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié. On se retrouve très rapidement pour le crash test de pas mal de produits. Je pense qu'on a de quoi faire un full face. Donc, on va faire un full face en crash test. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vais y arriver. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!